Qu'est-ce que n'est pas le coaching? Le coaching n'est pas de la thérapie. La thérapie est orientée davantage vers le passé et le présent pour vivre bien au présent, le passé pour faire sens de son histoire et pour apaiser ses blessures. Le coaching est vraiment orienté au présent, ici et maintenant. Et qu'est-ce que je fais de qui j'ai compris que je suis devenue? Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans cette vie à partir de qui je suis, à partir de mes ressources, à partir de mes désirs, à partir de mes visions qui sont dans mon cœur? Donc voilà la différence, le coaching prend le relais de la thérapie. Le coaching n'est pas de l'éducation à la santé, ni du consulting, ni du conseil. Donc ça, c'est vraiment une différence significative à comprendre, parce qu'il y a pas mal d'accompagnants qui se disent coach, alors qu'en fait, ils ne sont pas vraiment coach dans le sens d'aider les gens à laisser émerger leurs propres réponses. Ils sont plutôt des accompagnants qui enseignent la santé naturelle, par exemple. Et c'est génial, et il en faut. Mais moi, je trouve que c'est d'autant plus puissant d'enseigner la santé naturelle quand on est aussi capable de poser d'excellentes questions pour permettre aux gens de trouver leurs propres solutions et changer leur perspective vis-à-vis de leur situation. Enfin, le coaching n'est pas du mentorat. Dans le mentorat, on va faire appel à un mentor qui va partager son expérience et refléter sur son expérience pour donner des conseils, pour donner des tips pour aider aux gens, les gens à avancer plus vite sur leur chemin parce qu'ils sont sur un chemin similaire. Donc, on peut être coach et mentor, on peut être coach et thérapeute, on peut être coach et conseiller en santé, par exemple, ou conseiller sur d'autres domaines. Mais dans ces cas-là, c'est bien d'afficher les deux titres, je trouve. Donc, voilà les différences. J'espère que ça vous aura aidé à vous représenter, en fait, qu'est-ce que c'est le métier de coach. C'est vraiment dans l'espace des questionnements, dans l'espace des questions pour aider les gens à laisser émerger leurs propres réponses.